Hello guys, comment nous y est? Non, Pam, c'est Jean Kingston. Moi, content d'entrer la caillou avec à la découverte d'Haïti pour nous capable faire au vivre. 6e édition Festi Graffiti qui t'a organisé dans la date 16 pour arriver 22 août dans le Cap-Haïtien. Il y a plusieurs groupes graphistes qui ont participé dans le festival. Il y a des graphistes qui sont sortis Port-au-Prince, des graphistes qui t'es dans ville au Cap même qui participait et puis t'es gain trois graphistes internationaux. Youn sorti États-Unis, youn sorti Mexique et puis l'autre là sorti la Jamaïque. Tout graphiste ça yo t'es mis tête yo ensemble puis t'es capable exprimer yo à travers graffiti que y a metté dans muraille sorti dans rue 17 L pour capable arriver dans rue 17 Q dans monter l'hôpital Justinien. Te genyon nan responsable festival sa ki ta pale nan mikro a la découverte d'Haïti an nou koute l. Festi Graffiti son festival annuel ki gen 6 ans de distance depuis nou lanse li. Ki son an plateforme ki permette nou ba espace de pression a de artistes ki nan remen situ hot. Kaye di moun tap fèt nan la rue. La dan gen dans, gen plusieurs autres bagay, men nou men nou priorize graffiti nan tout art culture urbaine nan. Et depuis 6 ans, se pouye fwa. Festi Graffiti changer espace, ça veut dire juste pas délocaliser non mais d'essayer de garder si bien l'autre espace pour les raisons qu'on est au pour stabilité qui est n'importe quoi ça nous décider à ne pas venir au Cap et d'ailleurs au Cap c'est un espace très attractif tout c'est l'un des temps qu'on est gens y a parlé de ville du Cap le Cap haïtien pour tout et puis oui tout à fait nous avons plusieurs artistes qui sont invités dans le festival année ça nous avons Mexique et puis nous avons les États-Unis Mexique avec Eva Bacarantes et puis Eric Burke des États-Unis et puis Mathieu McCarthy de la Jamaïque grâce à support Fiction Creative qui sont partenariats avec une institution jamaïque grâce à support Mexique et puis Union Européenne avec Viva Rio et puis Chantier du Sud avec Matt Cord. Là ce festival ça permet de nous vraiment garder diversité artistique, artistes qui ont vécu, qui ont fédé, haïtiens qui ont été United, qui ont été haïtiens et qui ont été et puis plein d'autres artistes encore. Et puis, qui est encore basé. Et on prend d'autres artistes haïtiens qui rejoignent dans le mouvement ça, qui permettent de valoriser tout le monde et valoriser le travail en même temps pour être capable de souci d'embellissement d'espace public, mais aussi, allez ça, c'est voilà, le thème, c'est les catastrophes naturelles vivent avec elles. Même si grand pilote ne va pas coller à thème, là, mais c'est une façon pour sensibiliser les gens pour dire que les catastrophes naturelles sont là, surtout tellement de terre et l'autre. Nous avons le cycle Mathieu, nous avons le tremblement de terre le 12 janvier, pour montrer que nous sommes très vulnérables. Et là, son façon pour nous du vulnérabilité, faire un message à passer par le bien des artistes. Nous remercions tout le monde au Cap de l'accueil, parce que nous sommes un peuple très convivial, ou même de à la découverte d'Haïti qui sont un projet intéressant, qui permet de découvrir des bagages intéressants. Pendant que vous avez une belle vidéo, je vous demande aussi pour abonner à la chaîne là, s'il vous plaît. Abonnez avec chaîne là, partagez vidéo avec famille, amis, pour pas j'a capable vivre plus loin et pour plus monde capable faire belle découverte d'un pile belle bagaille qui vient dans le pays d'Haïti. Thank you.
Star Epigraphics. Dale, dale. C'est des mondes. Il va y avoir des mondes. Il va y avoir des mondes.